Alors, bonsoir à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Chers amis, bienvenue à Freedom News Network. Et Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent venir nous rejoindre et qui comprennent quelque chose dans cette belle langue de Molière. Vous êtes le bienvenu pour comprendre ce qui se passe dans votre monde à tous les niveaux. Et franchement, là, on est minuit 5. Bonne Saint-Jean-Baptiste, et compatriotes. Même si on n'a pas le droit politiquement et socialement de célébrer la Saint-Jean-Baptiste, c'est devenu un péché. La petite gogo, je ne veux plus. Ça les offense. Ce n'est pas inclusif. Ça prend une petite fête de quartier, la fête du solstice d'été, la fête de la famille, ou la fête du souvlaki, la fête du couscous, ou peu importe. Mais il ne faut pas que ça soit. La fête nationale des Québécois. Mais on va tricher. Bonne fête nationale. Puis n'ayez pas honte. Soyez fiers de votre passé parce qu'il est glorieux. Nos arrières, arrières, arrières grands-parents étaient du monde solide, courageux, généreux, ambitieux. Mais on a tout perdu ça. Puis on veut nous cacher ça. On veut que l'histoire commence en 1968, 8, 69 avec la révolution tranquille. Non, c'est la fin de notre histoire qui est arrivée là. Pas le début. Voyez-vous comment on aime ça réécrire l'histoire pour vous faire vivre dans l'illusion. Ah oh, l'illusion. L'humain c'est un peu ça son problème. Il veut entendre la bullshit. Il aime ça la bullshit. Il veut vivre dans l'illusion que tout va tellement bien. Que c'est tellement correct ce qu'on vit depuis des milliers d'années, les élites, les dirigeants qui creusent un fossé de plus en plus grand entre eux et le peuple et que le pouvoir soit toujours entre leurs mains et que nous, on soit toujours pris à payer la facture. Ah, oh, c'est tellement extraordinaire. C'est bon, c'est valeureux. On continue comme ça. Chers amis, minuit 7, 24 juin 2019, avec. Il faut quand même s'occuper de notre ventre. Il faut bien manger. Crise agricole américaine, mais c'est On embarque dans une crise agricole mondiale, OK? Dû, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça au changement climatique. <laughs> on est dans un vraiment une période très critique. Je vous ai dit que ce qui nous attendait, c'est majeur, OK? Puis il n'y a personne qui va être épargné pas parce que tu vois à la télé qu'on te dit que ça va bien, puis qu'il y a encore des gens qui gagnent des, des gros lots à la loterie, puis que tu vas avoir des émissions de talk show avec des foules hystériques, qui sont toutes des foules de figurants, qui sont en pamoison avec tel ou tel artiste ou politicien qu'on qu leur présente, que tout va bien. Là. Ce que tu vois à la télé, c'est du spectacle. La politique, c'est du business et du spectacle. C'est pas la réalité. Mais on ne veut pas te la montrer, la réalité. Mais la réalité, c'est que ça va être de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Et ça commence. Là, on est, on est entré dedans. Là, c'est vraiment l'intensification. Je vous l'avais dit, depuis deux, trois ans, ceux qui me suivent, vous allez voir, tout ça s'intensifier. Et je vous ai dit, le printemps, ben d'abord, il n'y en a même pas eu. C'est juste pour te donner l'idée comment ça s'est vraiment intensifié. si on est au Québec 24 juin, puis c'est à peine si tu vois une fraise ou deux du Québec sur les comptoirs. Il n'y en, en a pas, là. Tout est en retard. Donc c'est maintenant que ça commence. C'est le vrai bordel qui, là, vraiment, embarque. Puis je vais vous parler tout à l'heure, si jamais je tombe pas de sommeil, là, de quelque chose de vraiment, vraiment, l'histoire qui serait écrite. La vraie histoire, les vraies découvertes. Ce qu'on ne veut pas nous montrer, c'est hallucinant. Vous n'allez pas en venir. Je vous demande d'être là, présent. Vous allez vraiment être content d'être ici à Freedom News Network. Mais on reste avec cette petite nouvelle là avant. Crise agricole américaine. Il n'y a pas que le maïs. Les agriculteurs américains sont maintenant confrontés à la perspective de ne pas planter de soya à cause des précipitations abondantes. Les agriculteurs américains sont prêts à laisser un nombre record d'acres sans maïs. Et maintenant, ils risquent également de ne pas planter de soya à cause des précipitations abondantes. C'est encore des il y a des champs dans le Midwest américain des amis qui sont complètement complètement mouillés, la terre est plus capable d'absorber cette eau-là depuis le mois d'avril ils sont dans l'eau. Le maïs n'est pas censé être aussi grand à la mi-juin a déclaré Macione qui peut retracer les racines de la ferme de la famille ou de sa famille dès 1857. Il est supposé être aussi grand alors qu'il ne fait il fait un geste juste sous sa taille. Donc le maïs est vraiment en retard. Regardez les champs. Ça c'est aujourd'hui, ça c'était les années passées. Comprenez-vous? Les conditions et le moral sont si bas dans la région de McEwen, dans le nord-ouest de l'Illinois, qui est généralement le deuxième état producteur de maïs, qu'il a organisé une soirée jeudi soir au restaurant de Happy Spot. Un restaurant-bar situé à Deer Grove dans le comté de Whiteside. Environ 125 agriculteurs et autres personnes liées à l'industrie sont allés acheter du poulet et de la bière lors de l'événement surnommé Empêcher la fête des plantes, en référence à la superficie laissée en friche cette saison. On peut voir ici la plantation de maïs, superficie plantée en comparaison, en comparaison de 2018. Pourcentage de 2019, de ce qui a été planté, versus la moyenne des cinq dernières années. Wow. Voyez-vous ce que ça donne? Les vents contraires auxquels les producteurs sont confrontés sont multiples. Une pluie record a inondé les, le Midwest et piégé le trafic dans le Mississippi. Ce qui est crucial pour fournir les intrants dont les agriculteurs ont besoin et une artère majeure pour les aider à expédier leurs produits. Là, on parle des rues. Les rues sont inondées. Les semis de maïs bloqués ont obligé le département de l'agriculture des États-Unis à réduire ses estimations de récolte dans son rapport de juin, mais ce n'est que pour la quatrième fois depuis 2000 que le gouvernement a pris de telles mesures dans les données de ce mois. Vous avez vu... Ça, c'est l'état des terres en ce moment. 20 juin, c'est de la boue, de la boue, de la boue, de la boue partout. Macyon et d'autres agriculteurs de... De ce petit café de Happy Spot où on s'était réunis, ont déclaré que le rapport ne rendait pas encore pleinement compte de la mauvaise récolte cette année. Il dit que les conditions météorologiques lui ont permis de ne, de, de ne planter que 950 acres, 384 hectares de maïs sur les 6000 acres qu'il exploite. Hey, il n'y a même pas mille de ces 6000 acres qui sont plantés. Brian, Brian Snatcher, un agriculteur de troisième génération, originaire de Shannon dans l'Illinois, a déclaré que, bien qu'il ait finalement pu planter sa récolte, la bataille a été énorme. Wow! On estime que ce sera probablement euh, les récoltes les plus basses. Hein? Wow! Cette année, on se casse quatrième. Quatrième, dans les, euh, quatrième place dans les rendements euh, au cours des 20 dernières années. Vous passez une semaine sur le terrain et ensuite il pleut plus trois jours et une semaine plus tard, vous recommencez à déclarer Snatcher J'en Je, ai assez de faire face à la boue cette année. C'est ça, c'est de la boue. Voyez-vous, c'est de la boue partout, partout, partout. Regardez ça. C'est complètement, complètement hallucinant. Et on se retrouve comme ça, le soya, ils sont dans la même situation. Regardez les images. En 2017, 2018, 2019. 2019, c'est de l'eau partout, partout. Regardez, c'est la dévastation. Vraiment, on s'en va vers une crise mondiale. Parce que c'est maintenant répandu, cette crise-là. De l'alimentation, je vous en reparlerai un peu plus. On entre dans le grand minimum solaire, c'est juste le début. Puis avez-vous vu déjà les résultats? Ceux qui pensent que tout va bien, puis que tout va se placer, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous fumez, mais vous avez l'air heureux. Continuez à fumer.